Défendu. Le monsieur Roseren, le 1115. Merci, Madame la Présidente. Tout à l'heure, nous avons adopté, grâce à notre rapporteur général, un amendement qui a permis de répondre partiellement aux difficultés des petites communes. Et là, sans remettre en cause le principe de solidarité entre les collectivités, cet amendement propose de plafonner le FPIC, le Fonds de péréquation. Aujourd'hui, il existe un plafonnement qui est à 13,5% des ressources fiscales agrégées. Et cet amendement propose ainsi de limiter le prélèvement à 10% maximum de la ressource fiscale agrégée de l'année N-1 de la commune au lieu des 13,5%. Le plafonnement est indispensable pour ces communes qui sont fortement contributrices. Elles connaissent par ailleurs de lourdes charges d'investissement et c'est pour ce cas que c'est le cas entre autres des communes touristiques. Nos territoires touristiques doivent rester attractifs et concurrentiels au niveau international. Elles doivent pouvoir continuer à investir et c'est pour ça qu'on souhaitait plafonner à 10% des ressources fiscales agrégées. Merci, Madame la Présidente.